Salam alaikum, Watukufu. Watukufu enti ya Komor. Arimre ya nizi salamu, rumamieni, assalamu alaikum. Namkaribu. Namkaribu Hawinj. Na nanyoti pia ngamjuao. Yezivirao mwenti ya hatu. Leo inu, rihunu mna wakati, rijabano rihadisi na sinanyi. Mungu ya jailie, mesajijijo kwa wihantibano imunde ni wanunu. Namu wanunu, insha Allah. Namkaribu. Ekar sanga si kenzi ngarjo uhandisa. Ngamjua zi habari ye maonde ya rementi ya hatu. Rijabanu leo, rijeri hadisi mbabi. Rambe rilile mahoza. Salamu alaikum. Alimilo ni mjie ngenandise. Njakaza suje, akaya, amjakaza suje ala fin. Wakati njo fanya publication. Sia kabati mrutu juwe suje lo Komori. Kabati mrutu juwa e suje ikao leili yo Komori. Ngani mrutu ni mjemu kazeze suje, kazeze titri, kenga nya titri ya unika, ofujari ulo Komori. Donc naralisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gani mwore yonu mesajinu, mwge ajaidiye, imhundre ni na mwanunu, mwge ajaidiye, ema kalimanjoka uyambabanu ya faindishe ye Komori. Mno usila, nwama isila mwa mwaza ntipia, insha Allah, sotu de Afrika. Mwge ya ripue nofujari kao uhaladara harumu Afrika, mwge ya ripue nofujari kao uhaladara Komori hatu. Sijabanu njeni beho mhono tanga wahe mwana nyasi, mwana hatu, aimani. Mvya jailio mhanuya liyo, ike nguono njema. Iko wa mwa warenge madhambika onda weyafanya hunu duniani. Wayarenge, yeye ike nge mhanu wema, halala mhanu wema, nguono raha, insha Allah. Na ini maisila mwansi. Ndudi ni mwambia ni ukaya bwana ma. Ni mwashelezi zenu ukaya mfaja na. Sile mfaleo. Mfaleo sile mfamaulu. Reto lore jobu hanu yabo. Manara ndo siku radisa hata nalelo. Kartuli la tozi banga sinanzaya. Kartuli la tozi banga sinanyura. Shanga. Ngarijoban relila, heo katili kao ngo birao harwenti ya hatu. Ngarijoban relila, heze tabiambi kao ne violansi fanyuwa wana watiti. Wado harwenti ya hatu la mabukaya enti ya hatu yunima ya kisilamu. Ngamjoon samihi, msamihi ni makalima njoko yamba, sha, ntina ujua nkeka nijebanu, nkeka nlamwe mafundi. Na wabia ukaya, yebano ilimu ya hanyu mbwa mafundi. Nga mduka hiru miandi. Kamrati otodo rengeni magari mwanja mwami jini. Mwakati. Mwatualia. Mwataha fikra. Zaurilela, emane Kruani ya mwake jabehwa. Itodo kaji jishifa mwanadamu. Mwache mwandihanti. Nyenye mwade mwisomo. Na mkerathi. Mwirumie. Wakati uja. Wakati wa wirumia uja. Nada bukaya. Wanu ngebdi mjue nongo nzima. Wanu mapolisi. Ne majandarmu. Ne arme ya Komori. Wala nduwa na nyasi.
Voilà, nous avons assis toujours. Waouh, waouh, waouh. Qui fujari. Voilà, nous avons assis. Et en cas de confusion, wakati kao leo tiza yamana yamzima ngiharwe arme kwa ordre kaida wewola da wewe na nyuho yamzima ola mwananya hajamwa banko ordre ni fujari kao harenge ye pouvoir ya hensi hajinika donc yeye mwanga tukofanya. Il y a un moment où la main ou un rentier ni renti ou la ou la ya ou la ou la ya ou la ou la ou la ou la ou la ou la ni fanye ema ema kalima yao ya ulone ma jawabu danyi mafundi no kamtukiri matoe jawabu muni kamtukiri matoe solution ya heza barzini ngeizo mwanza wa hindri lokana mwantia kislamu leo. Yeka ye mwanama mhumu ede hawe mwanama mtiti na dena we mhumu ya we mwanama mtiti. Heli mwanzo rifanye. Na mtorambi ya heli mwanzo rifanye. Paske banu rizingamanyiha. Mrizingamanya. Mrizingamanya mwana mja. Ngamsuteneu mafujari wakati wa haladara. Ngamwasuteneu. Nja mkati ngamwasuteneu. Gabo mrambia je, mrambia usilamu ka mrambia je. Emena njaparo na bahanu arumu usilamu, wamba ukana, haini mru ya hiba, na ulawa. Njaparo zishia. Na ulawafi, nato ulawafi. Haini mru ya hiba, nato ulawafi. Vena turengeza kakweli, watoto anu wale wahibi, watoto atitu, wale wahibi, watoto anu. Ehe. Ngea bo, ekawa udo ulawa kwa tulo wane mwenye, emba indu ya hiba. Shawala wamba ukana wa hifadhi wandu. Doa uwa. Ila polisi. Ila wala arme. Wala jandarmu. Wambilwa ukana. Ikao leo. Ngebidu mharake mtahe. Mrikao hafanya zina hii. Mumhaifadhi. Ili wala hafanyo zina yeti jojama. Nyinyi domu mwao. Nyinyi domu mwao. Halafunga mwanzawe. Ikari kundwa nilongo maudu. Maudu keti jilo nilongo mimi nje shitaki. Ya mga mjo shitaki je. Mimi kati jati shitaki. Nja shitaki mwadi mwatoe roho. Ti shitaki zemaliza angu zinrajei. Shanja ka ushitaki. Mwadi mwatoe roho. Mwana ike ingeni zo ya borsu jozila wakama joju kama hakama. Ya wakama joju kama hakama. Ya niyo hindi mahakama. Eka nga ranzuka ya. Ya ni mdungu joka na mzinga. Kwa honi hae. Haini mdungu joka na mzinga. Kwa honi hae. Et quand on a des nains, on a des nains. C'est comme ça. Il y a des justices qui m'ont fondé. Moui haré adara, nga moui soutenéou. Moi de mouhati ma biro. Hein? Ya mabawe, yinu. Ah, moi de ni mjiwa heda, ni bavwa heda. Nga hundro ma kazi, nga hundro ma matiji, nrina. Pia, mouhati. Cha ewa ou mouhati wadoufanya rongo hindi. Ba juzi rika rongo zewa. Rabila ukaya ze armuzila. Zila tila za wanyuni. Ok, zi armuzila tiza wanyuni. Yebo mafunde ilimu ya mnyezi mguyo ya ufanya. Yo hoda wanrodo lama ya liha mwamiji. Bahi. Ye kurwana mnyezi mgu mwaisoma. Ye ziyo za mtume sallallahu alayhi wa sallam ya zihanti ya mwazisoma. Mwasoma ze nongozo ntipia. Izwe faida hazo uto lama ya liha urenga bahasha. Na mnambi. Ike faida hazo uto la maele na urenga bahasha momijini. Abo nge abo minga mkazo yavo timweriane mesajiyo ni mafundi na mkazo yavo. Ni mwambia nukaya. Zohe, ani kabati nongo uto la mwiso. Kabati nongo uto la mwiso. Lini kawushie ye wandukia uduwa renge dawla hatu. Kifujari. Ni wambe ukaya liyela na tena liyela. Weka inde heli mwadisao. Weka inde heli mwadisao. Mwede hata mzio wananya. Elibani kamchwanza walile. Changa mwede mwarenge mje mwafunge. Hewe. Nga mtibo bi. Hewe. Wanwa basanga mwoni hao mwono. Ezajiri.
Monsieur le président de l'Union africaine, dans un pays qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'électricité, il n'y a pas de routes. Donc comment tu as fait pour arriver là, pour être président? Avec quoi? Avec quel atout? On est parmi les pays où les enfants meurent tous les jours en prenant la mer pour aller en Europe. Donc, de quelle crédibilité tu as été élu président, M. Azali? Notre chanson nationale qui soutient le Salakante, les mots sont un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas de l'eau, un pays qui n'a pas de route. C'est notre devise, c'est la chanson qu'on amène quand on part jouer au foot. Tu crois que le monde entier ne voit pas ça? Vous croyez que les gens, ils dorment? Ils n'attendent pas ça. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas les Comoriens qui sont en France, qui sont en train de pleurer. Donc nous, nos voisins, ils ne voient pas nos larmes. Ce sont des Africains comme nous. On ne peut pas les endormir. Ils savent très bien. Ils savent très bien les moyens des Comores. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas payés 1 500 $. Ils savent très bien que la personne le mieux payée aux Comores, c'est 300 $. Et vous venez, vous nous amenez un dossier bien fait, bien fabriqué. Vous nous dites, ouais, aux Comores, il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu ça. Moi-même, j'étais aux Comores l'été 2021 et j'ai manifesté. Et vous avez dit, il n'y a jamais eu de manifestation aux Comores. Il n'y a jamais eu de manifestation aux Comores. Nous, quand on était là-bas, on était en train de courir. On voulait faire juste une manifestation pacifique. Et vous avez envoyé toute l'armée. On dirait il y avait une armée de notre État qui a débarqué aux Comores. Tellement vous avez mis l'armée dans le capital. Vous avez oublié ça? Avez-vous oublié au moment où vous avez tiré contre les jeunes qui manifestaient en août? Allume la lumière là-bas, derrière. Vous avez la mémoire courte. Vous ne réfléchissez pas. On manifeste en France. Les Français, ils n'ont rien à foutre, je vais bien. Mais les Africains le voient bien. Les Africains le voient bien. Ils voient tout ce qu'on fait en France. On manifeste, on dit le pourquoi, le comment. Hein? On pleure avec tous les Africains. Et aujourd'hui, Azali, tu dis que toi, tu es l'homme de la situation. Tu es l'homme de la situation, toi. Toi qui n'arrives même pas à soigner ta population. Tu viens, tu dis que tu es l'homme de la situation. Pour qui? Pour qui? Oui. Pour qui? Pour la France? Pour la France. Tu es l'homme de la situation pour sauver la France. Parce que l'Afrique tout entier, maintenant, se prépare à refouler la France. À refouler les Français, l'armée française. Ils n'ont rien à foutre dans nos pays. Et toi, tu es là. En fait, tu n'as pas trouvé mieux à faire que d'aller soutenir
les Français. C'est pour ça que tu as accepté qu'on te traite de voleur dans ton pays, dans ta maison. C'est juste pour aller faire le cobaye, pour aller jouer la marionnette des Français. Comme ils ont dit, hein, c'est pas mes mots, c'est leurs mots. Ils vous ont dit que vous êtes corrompu. L'état actuel est trop corrompu. C'est pas mes mots, c'est pas moi qui a dit ça. Ce sont vos alliés qu'ils ont. Ce sont vos alliés. Ils vous ont dit devant, droit, yeux dans les yeux. Ils vous ont regardé. Ils vous ont dit vous êtes corrompu. Donc, à travers ça, vous avez quand même accepté d'aller jouer les intermédiaires pour défendre les intérêts français en Afrique. C'est tout ce que vous avez trouvé à faire après tout ce que les malheurs qui arrivent aux Comores, après tout ce qu'il y a dans nos pays. Mais souvenez-vous de ceci. L'Afrique s'est réveillée. Et nous aussi, nous les Comoriens, on est réveillés. Et on ne s'arrêtera pas là. On ne s'arrêtera pas là. On ira jusqu'au bout. On se battra jusqu'au bout. L'Afrique doit être debout et devant. Il doit se développer par elle-même. L'Afrique ne doit pas dépendre d'autres pays. Tu viens, monsieur le putschiste, tu viens devant les caméras. Oui, nous on soutient l'Occident, on ne veut pas la guerre en Ukraine, mais vous avez installé la guerre chez vous pour que tu viennes aujourd'hui nous dire que tu ne veux pas la guerre en Ukraine? T'es qui? Pour quelle raison? L'humanité commence là où on habite. Et chez toi, il n'y a pas d'humanité. Il a été bafoué. Vous tuez, vous violez, vous volez. Tout ce qu'il ne faut pas faire, vous le faites dans votre pays. Et vous êtes là. Ok, il n'y a pas de justice. Il n'y a même pas de justice. Qui sait? S'il y avait eu des votes, dites-moi, s'il y avait eu des votes, et que les présidents étaient réunis, les présidents africains étaient réunis, ils devraient voter un des présidents pour prendre le pouvoir de l'Union africaine. Est-ce que ça serait toi? Ils allaient te choisir, toi? Avec tous les présidents qu'il y a en Afrique? On ne peut pas nous endormir. Hein. On peut nous raconter des salades, on peut fabriquer des salades. Amin Seyf, il a fabriqué des salades jusqu'au bout. Il a fait le montage de son dossier, il a pris le temps, il a dit je démissionne, je vais ailleurs, je vais ci. Il est venu en France, oui, il est venu en France. Et quand il est venu en France, il a vu des enfants, il a vu des jeunes de Daoula Haki. Il les a corrompus avant de partir. Il les a corrompus. Les jeunes, j'ai fait exprès, je vous ai envoyé toutes les vidéos et je n'arrêterai pas de les envoyer. Les vidéos qu'ils ont réunies, toute la population comorienne à Marseille. Ces vidéos-là, ils montrent un à un ces enfants-là, ces jeunes-là qui étaient déterminés que vous avez acheté. Que vous avez acheté. Amin Seyf a acheté. Il est passé ici. Il a manipulé tout le monde. Il était allé avec l'aide de la France, bien sûr, je dis bien. À la France, il ne défend pas un pays. Il défend ses intérêts. Il défend ses intérêts. En sachant qu'on l'a chassé partout dans le monde, qu'on lui a pointé le doigt, qu'il a pas, en fait, il n'arrive pas à respirer. Ils sont allés jusqu'à dire que c'est à cause de la Russie que l'Afrique s'est réveillée. En fait, nous, on était des moutons, quoi. On était des moutons, on suivait. Aujourd'hui, on a trouvé un autre maître qui nous a détourné un peu. Donc, comme on est des moutons, comme ils supposent qu'on est des moutons, on a suivi. C'est ça ce qu'il dit, la France. Vous voyez?
En fait, il nous calme, il dit quoi? Il montre que nous, on n'est pas responsable, on n'est pas des gens responsables. Hein? On n'a pas de tête. On ne peut pas réfléchir. On ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. Donc, pour trouver un beau commissaire, c'est la Russie. Et toi, tu viens, tu dis que tu soutiens qui? Tu demandes le cessez-le-feu. Cessez-le-feu de qui? T'es qui? Toi qui tues tous les jours pour être au pouvoir. Hein? Qui fait des sacrifices humains. Et d'ailleurs, les Comoriens, vous le savez bien, quand ils partent pour faire un truc comme ça, il faut cacher les enfants à la maison. Il faut les cacher. Il faut cacher les plus jeunes. Il faut arrêter de vous balader le soir. Arrêtez. Parce que ce mec qui a pris le pouvoir, lui, il fait des sacrifices humains. Si vous n'avez pas compris jusqu'à là. C'est pour ça que quand on tue, il n'y a pas de coupable. Quand on viole, il n'y a pas de coupable. On ne trouve pas de coupable. Tu ne vas pas trouver un coupable qui a tué. Les gens qu'on a tués, on a laissé dans les champs, on a laissé dans la mer, tout ça. On trouve. Il n'y a pas de coupable. Parce que le coupable, c'est lui-même. C'est ce gouvernement le coupable. Et il ne va pas se dénoncer par lui-même. Il faut bien des enquêtes. Il a pris tout le pouvoir, lui appartient. Il n'y a pas de justice équitable. La justice lui appartient. Il n'y a pas d'armée. L'armée lui appartient. Il n'y a pas de police. Tout ça, c'est lui qui gère tout ça. Avec son fils, bien sûr. Avec son fils. Avec son fils qui l'aide. Un jeune comme ça, c'est malheureux. Un jeune comme ça, qui commence sa vie en aidant les crimes, en cachant les crimes de son père. Alors je me demande quel avenir il se réserve, ce mec-là. C'est quoi son avenir? Il croit que les jeunes comoriens, ils ne le voient pas? Ou ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas ce qu'il lui, il est en train de faire? Il est en train de tuer nos jeunes à petit feu. Ils prennent la mer pour échapper les misères comoriennes. Ils prennent la mer en espérant qu'un jour, ils vont pouvoir changer. Mais ils ont son... En fait, ils se trompent. Nous, on est venus. On n'a rien changé aux Comores. On ne peut rien changer. La seule chose qui peut changer le Comores, c'est de se réunir et de prendre nos forces. Et de prendre nos forces, se battre et nettoyer notre pays. Nettoyer notre pays. Épargner, en fait, envoyer loin ces criminels-là et on les envoie en prison, on nettoie et on recommence à zéro. Parce que vous dites que la France va sauver. Non, on peut être en France, on peut rester en France à vie. On ne sauvera pas les Comores à cause de ça, en restant en France. La seule chose qui peut sauver nos îles, c'est de rentrer. Et faire le ménage. Oui, j'ai dit bien faire le ménage. Ça s'est duré comme ça. Messieurs les politiciens. Ça s'est duré comme ça. Vous avez bien joué le cache-cache. Vous avez bien joué le cache-cache. Maintenant, on veut des actions réelles. On veut des actions réelles. On veut que vous vous levez et que vous réclamez l'état de droit comme il se doit. Arrêtez de rester dans vos canapés, hein, dans vos places et de dire oui, on est contre. Mais vous êtes contre, vous avez fait quoi pour montrer que vraiment vous êtes contre? Parce que nous, depuis 2019, on n'a rien vu qui montre vraiment que vous êtes contre. Vous n'êtes pas contre.
Je vais vous dire ce que vous avez peur, messieurs, les opposants. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que demain, vous ne prenez pas la place. Vous avez peur d'être tué. Vous préférez laisser un jeune comme Ayman? Vous préférez laisser un jeune comme Gazon? Vous préférez laisser les jeunes comme Faisal se faire tuer à votre place? C'est ça que vous... En fait, c'est ça votre esprit de combattant. Vous combattez quelqu'un en allant manger avec lui. Vous combattez quelqu'un qui fait du mal à vos enfants en allant danser avec lui. En allant danser avec lui. Arrêtez vos blabla. Je m'en fous, j'ai pas besoin d'excuses. Vous ne nous donnez pas d'excuses, on n'en a pas besoin. On a besoin des actes, je vous dis. Je vous dis qu'on a besoin des actes. Donc quand on est ennemi, on ne mange pas dans la même table. Quand on est ennemi, on ne danse pas dans la même... On ne se trouve pas en train de danser dans la même enceinte. Quand on est des ennemis, on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être en vie ensemble en train de rigoler. Quand quelqu'un est en train de prendre la vie, hein, qui se cache même pas. Je me souviens encore le jour qu'il a dit, il a dit à la police, rattrape-les et tuez-les. Et il a redit, astaghfirullah. Mais est-ce que depuis le jour qu'il a dit ça, il a arrêté de tuer? Il a arrêté de donner les ordres de tuer? De torturer? Aujourd'hui, ils ont torturé Ayman, il est parti. Il y en a beaucoup qui sont handicapés. Il y en a beaucoup qui sont, en fait, qui sont entre la vie et la mort. Il y en a beaucoup qui sont entre la vie et la mort. Ils les ont gardés où? À ce même camp militaire. À ce même camp. Ils les ont gardés là-bas. Ou bien, aujourd'hui, on va tout effacer parce qu'il vient, il nous dit, monsieur, il est le président de l'Union africaine. Mais est-ce que ça va nous porter quoi? Ça nous porte quoi? Qu'est-ce que ça va ramener aux Comores s'il est président de l'Union africaine pendant un an? S'il te plaît, le mec, il est là, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il est au pouvoir depuis ce temps-là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait et vous pensez qu'en pendant une année, il est censé régler les problèmes des Africains qui sont encore plus importants? Et vous pensez que là, il va faire quelque chose aux Comores? Vous pensez que là, l'Union africaine appartient vraiment aux Africains? Franchement, il faut être aveugle pour penser comme ça. L'Union africaine a été mise en place par les Européens pour soutenir la France. Pour soutenir et défendre les intérêts de la France en Afrique. Pourquoi la France a des intérêts à défendre dans notre continent africain et que nous, on n'a aucun intérêt chez eux? C'est équitable? C'est pas équitable. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Vous voyez la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine ne cesse pas de pleurer et de demander qu'on l'aide, qu'on les aide. Mais militairement, ils n'ont pas demandé qu'on les aide comme ça, de l'argent, de la nourriture. Mais non, hey, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec Macron qui était au pouvoir de l'Union européenne, il a fait quoi Macron? Il a dit envoyer, oh, il faut envoyer quelques missiles.
Non, non, pas des missiles, c'est trop puissant. Envoyer quelques armes. On ne peut pas envoyer des chats parce que c'est trop. La Russie va savoir, il va nous attaquer. Pensez-vous que ces gens-là, ils vont vous défendre, les Comores? Des petits pays, des petites îles comme ça. Ce n'est pas eux qui vont défendre les intérêts comoriens. C'est nous. C'est à nous d'agir. C'est à nous de se lever. C'est à nous de pleurer. Personne ne le fera à notre place. Donc j'appelle à tous les jeunes comoriens. C'est le moment de se lever. C'est le moment de se mettre en route. C'est le moment de balayer tout ce système. C'est le moment d'aller voir vos frères. Ce sont vos frères. Les militaires, ce sont vos frères. Les policiers, ce sont vos frères. Les gendarmes, ce sont vos frères. Allez les voir. Affronte-les. Il faut les affronter à un moment donné. On ne peut pas rester à l'ombre et pleurer chez soi. Le jour qu'il y avait les Français, quand il y avait les Français en train de tuer les Comoriens, violer les femmes aux Comores, nos anciens se sont levés, ils ont dit, les affronter, ils ont dit non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut notre indépendance. Bien que c'est mal pris, cette indépendance, mais au moins, les Français, ils ont arrêté de violer leurs femmes. Ils ont arrêté de violer leurs enfants. Ils ont arrêté de tuer leurs frères. Et ils ont plié leurs bagages. Ils sont partis. Donc aujourd'hui, vous avez vos propres frères qui sont en train de vous tuer, de violer vos enfants, de violer vos femmes. Et vous avez peur de les affronter? Vous avez peur de les parler? De leur dire non, c'est pas comme ça. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, quand on n'a pas une raison de vivre, vaut mieux mourir. Quand on n'a pas une raison de vivre, vaut mieux mourir. Vive les Comores. Vive Daoula Haki. Et Inch'Allah. Ye imani ya heko moringe johuja insha Allah. Ye kamwa benzi.